Un jeu de grenouilles. Wow, wow. L'histoire du jeu. Quelle est l'histoire de ce jeu? Le soir venu, toutes les grenouilles du coin se donnent rendez-vous pour bavarder. Et elles bavardent, jusqu'au lever du soleil. Petit à petit, elles n'ont plus rien à se dire. Et au petit matin, elles bondissent dans la mare. Plouf ! Et disparaissent tout au fond. Le soleil est à présent bien haut dans le ciel. Et les grenouilles ne sont plus là. Elles sont malignes, ces grenouilles. Elles se cachent le jour et sortent la nuit. Ce jeu s'adresse aux enfants à partir de 4 ans. Mais aussi aux adultes, bien sûr. C'est pour 2 à 4 joueurs. Ce jeu est un jeu d'association des couleurs. Dans la boîte, il y a quoi? Regardez. Voici les petites grenouilles. En tout, il y en a 48. Et voilà le dé de couleur que l'on retrouve sur le plateau de jeu représentant la mare. Avec un nénuphar vert, des fleurs oranges, des fleurs rouge-rose, violette et jaune. Et au milieu, un trou bleu dans lequel plongent les grenouilles. Préparation du jeu. Comment prépare-t-on le jeu? On distribue 8 petites grenouilles à chaque joueur. Le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu est de se débarrasser de toutes ces grenouilles sur la mare. Comment on joue? Il suffit de lancer le dé de couleur. Par exemple, je le lance et je tombe sur la face bleue. Alors, je prends une grenouille et je la mets dans le trou bleu. Plouf, 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 plouf. Autre exemple. Si je tombe sur la face rouge-rose, sur la mare, il y a 2 fleurs de cette couleur. Alors, je mets une grenouille sur chaque fleur. Autre couleur. La face verte. Oh, il y a une feuille de nénuphar verte. Je mets alors la grenouille dessus. Et ainsi de suite pour toutes les couleurs. Ah ! Petite remarque en ce qui concerne la couleur verte. Si je tombe sur cette couleur, je ne peux pas poser la grenouille sur les petites feuilles vertes. Non, non, non. Mais uniquement sur la grande feuille verte de nénuphar. Ici, oui. Deuxième remarque. Si je tombe sur la couleur rouge-rose, je prends les grenouilles. Oh, je ne peux pas. La place est déjà prise par 2 autres grenouilles. Que faire? Eh bien, je dois récupérer les 2 grenouilles et les garder. Troisième remarque. Quand je lance le dé, soit je peux mettre mes grenouilles ou en récupérer, et c'est au tour du joueur suivant, soit je peux relancer mon dé. Je vous montre un exemple. Moi, je voudrais mettre mes grenouilles sur les 2 fleurs de couleur rouge-rose. Mais je suis tombée sur la couleur violette. Je pourrais mettre une grenouille sur le violet. Ah non, moi, je recommence. Je relance le dé. Oh, le bleu. Ah non, 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 non. Moi, je veux cette couleur-là. Je relance et je tombe sur la fleur jaune. Oh, c'est occupé. Je relance
Et non, ce coup-ci, je suis obligée de prendre les deux grenouilles. Et c'est au joueur suivant. Dans ce jeu, on hésite, on s'arrête, on relance le dé ou on continue. Voyez si la chance est avec vous. Deux conseils pour les petits. Coucou. Premier conseil. Souvenez-vous, au départ, on distribue 8 grenouilles à chaque joueur. Mais pour les plus petits de 4 ans, c'est mieux de leur distribuer 5 grenouilles. Car la partie sera moins longue et plus facile. Deuxième conseil. Pour les plus petits, il vaut mieux éviter de relancer le dé plusieurs fois. Car c'est trop compliqué pour eux. Faites-leur lancer le dé une seule fois chacun. À vous de jouer. 3, 3.